Bonjour, alors c'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on a inauguré ce matin cette station Barbara de la ligne 4 du métro avec le Premier ministre Jean Castex. Donc cette ligne, ça fait maintenant 8 ans qu'on l'attend puisque la mairie de Montrouge avait été inaugurée en 2013. Donc 8 ans plus tard, la station Barbara qui est station intermédiaire avant le nouveau terminus qui est à Bagneux, Lucie Aubrac, donc le terminus de la ligne 4. Donc à Montrouge, on a de la chance. Nous avons trois stations de métro pour 50 000 habitants. Donc tous les Montrougiens sont à 700 mètres d'un métro, ce qui est quand même un privilège en Ile-de-France. Alors c'est une ligne évidemment importante pour Montrouge. C'est une ligne qui fait maintenant 29 stations et sur laquelle circuleront chaque jour près de 700 000 voyageurs. Alors c'est aussi cette inauguration le commencement du projet du Grand Paris, parce que vous savez que la ligne 4, elle va croiser dans 3 ans le Grand Paris Express, la ligne 15. Et ce Grand Paris Express, il va permettre à tous les Montrougiens d'accéder beaucoup plus facilement au reste du Grand Paris, à la Défense à l'ouest et vers Marne-la-Vallée à l'est. Je me permets d'associer votre voisin, monsieur le maire de Montrouge, chez lequel nous venons de faire une brièvement halte pour admirer la station Barbara. Barbara, vous le savez, repose tout près d'ici, au cimetière parisien de Bagneux. Et Lucie Aubrac, qu'on ne présente pas, je veux saluer très chaleureusement leur famille ici présente. Je remercie du conseiller et la RATP de cet hommage rendu à Barbara. C'est une journée importante, c'est un moment un peu historique et donc on a été très heureux d'avoir eu l'honneur d'accueillir le Premier ministre, le ministre des Transports et puis tous ceux qui ont financé cette ligne 4, la région d'Île-de-France qui en a financé 60%, le département des Hauts-de-Seine qui en a aussi financé une bonne partie. Et je crois que cette ligne 4, elle est vraiment maintenant inscrite dans notre histoire et nous en sommes très heureux. Voilà. Donc je vous demande de mettre sans délai en service le prolongement de la ligne 4 jusqu'à Bagneux, Lucie, Aubrac. De la station Bagneux, Lucie, Aubrac. Merci beaucoup.